SOS Amitié, bonjour. Des appels comme celui-là, l'association SOS Amitié à Clermont en reçoit 22 000 chaque année. À l'autre bout du fil, des personnes souvent seules, en situation de mal-être ou de dépression. Les bénévoles ont pour mission d'écouter sans pour autant se substituer aux psychologues. On part du principe que les gens ont leurs propres solutions et leurs propres capacités à se régénérer, à condition de leur donner à un certain moment l'espace d'évacuer, on va dire, l'angoisse, la souffrance, l'émotion qui les habite. Et à partir du moment où ils l'ont fait, les trois quarts du temps, ça suffit pour qu'ils se reprennent. SOS Amitié à Clermont fonctionne avec 34 bénévoles. Ce n'est pas assez, il en faudrait 16 de plus pour pouvoir assurer un accueil téléphonique 24 heures sur 24. L'association en appelle aujourd'hui à toutes les bonnes volontés. Qu'est-ce qu'il faut pour être écoutant ? Peut-être simplement et bêtement, je dirais, l'envie d'écouter, l'envie de travail, d'un travail en équipe, l'envie aussi d'être formé. Et de faire un travail sur soi. C'est avant tout un travail sur soi. SOS Amitié est financé à la fois par des fonds publics et des dons privés. Le budget de l'association s'élève à 26 000 euros, dont la moitié est consacrée à la formation des bénévoles.